tous, merci de choisir Cavi TV pour vous informer. Bienvenue dans ActuWeek, votre magazine qui retrace les faits marquants de la semaine que je co-présente ce soir avec Dina Boutiam. Dina Boutiam, bonsoir. Bonsoir à Fatoumata Kana, bonsoir à tous. À la une de l'actualité de cette édition d'information, le gouvernement de la transition a été dissous en début de semaine. Le décret pris lundi annonce la gestion courante des affaires par les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux et leurs adjoints en attendant la composition d'un nouveau gouvernement. Vous suivrez tout à l'heure le général Amara Camara, ministre secrétaire général de la présidence de la République. Et puis, grève générale et illimitée sur toute l'étendue du territoire national à partir du lundi 26 février 2024. C'est l'annonce faite par le mouvement syndical guinéen jeudi dans une déclaration lue à la Bourse du Travail. Cette décision fait suite à la non-satisfaction des revendications des structures syndicales. Et notre reportage de la semaine nous envoie dans la préfecture de Boké, précisément à Dakonta. Là-bas, les citoyens vivent dans des conditions très difficiles, à manque d'infrastructures sanitaires, d'eau et d'électricité. La vie dans cette bourgade est un véritable parcours du combattant. Reportage à suivre. Pour décrypter toutes ces actualités, nous aurons comme invité de parcours M. Niatinia Mansaré, président du Forum national des jeunes des partis politiques. Il sera avec nous tout le long de ce journal. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. C'est un coup de tonnerre pour le gouvernement de la transition. Le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a dans un décret publié lundi décidé de la dissolution de tout le gouvernement. Une décision qui intervient après plusieurs dysfonctionnements au sein de l'équipe dirigée par Dr. Bernard Gomou. Je vous propose de suivre le général Amara Camara, ministre secrétaire général de la présidence de la République. Décret. Dès 2024-043-PRG-CNRD-SGG portant dissolution du gouvernement. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu la loi L-2018-025-AN du 3 juillet 2018, portant Organisation générale de l'administration publique, vu l'ordonnance O-2021-001-PRG-CNRD-SGG du 16 septembre 2021, portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021, vu le décret D. 2022-387-PRG-CNRD-SGG du 20 août 2022 portant nomination d'un Premier ministre chef du gouvernement. Vu le décret D. 2022-548-PRG-CNRD-SGG du 18 novembre 2022 portant structure du gouvernement. Vu le décret D. 2022-549-PRG-CNRD du 18 novembre 2022 portant nomination des membres du gouvernement. Vu le communiqué 01 du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité. Décrète. Article 1er. Le gouvernement est dissous. Article 2. La gestion des affaires courantes sera assurée par les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux et les secrétaires généraux adjoints jusqu'à la mise en place d'un nouveau gouvernement. Article 3. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal officiel de la République, Conakry, le 19 février 2024, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya.
Cette dissolution du gouvernement par le président de la transition a fait réagir la classe politique du pays. Jenna Boutian. Le président de l'Union démocratique pour le renouveau et le progrès, UDRP, dit ne pas être surpris pour Edouard Zoutomou Pogomou. La décision a d'ailleurs tardé. Ansobaïlo Baldé et Mariama Boibari pour le reportage. La dissolution de l'équipe gouvernementale par le président de la transition n'a pas surpris le président de l'Union démocratique pour le renouveau et le progrès. Edouard Zoutomou Pogomou cite dans ses propos la crise interne au sein du gouvernement avant le décret de dissolution. Surtout au niveau du gouvernement, il y avait des bisbilles qui avaient commencé à apparaître au grand jour. Même les questions qui devaient être traitées en coulisses, si vous voulez, ou en conseil des ministres, se sont invitées justement sur la place publique. Et finalement, on a exposé le pays, alors je crois qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. C'est un acte de prise de conscience de la part du président de la transition, estime Edouard Zoutomou Pogomou. Cette prise de conscience va peut-être nous amener ou amener les autorités de la transition à recadrer leurs activités. Parce qu'il faut être d'accord, il faut dire que la transition, elle a déraillé. Pour le président de l'UDRP, ce changement doit s'étendre sur les autres services et institutions de la transition. Si on veut changer, on change et le CNRD, et le gouvernement et ses extensions, et le CNT, parce que tout ça, c'est ce qui forme la gouvernance du CNRD. Voilà comment moi je vois. Il ne faut pas qu'on fasse des changements cosmétiques. Le moment est donc opportun pour le président de la transition de tirer toutes les conséquences de ce qui n'a pas marché depuis le 5 septembre 2021, déclare Edouard Zoutomou. Nous pensons que c'est le moment d'inviter tous les acteurs autour d'une table de concertation ou de négociation ou alors de redéfinition des priorités de la transition. Au-delà de la dissolution du gouvernement, d'autres décisions ont été prises contre les ministres démis de leurs fonctions. La dissolution du gouvernement de transition fait aussi des malheureux au sein du secteur de l'éducation. Notamment chez les enseignants contractuels communaux de Guinée, le concours en pratique à deux classes qui était prévu le 21 février dernier par le ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation n'a pas eu lieu. Une situation qui amène les contractuels de l'éducation à tenir à des doutes concernant la sincérité des promesses prises par l'équipe de Guillaume Awing, ancien ministre de l'Éducation. Je vous propose de suivre le reportage de Fatoumata Kal et Ansou Baïlo Baldé. C'est un espoir brisé pour les enseignants contractuels communaux de Guinée suite à la dissolution de l'équipe gouvernementale par le président de la transition. En cause, le concours en pratique de classe qui était prévu pour ce 21 février n'a pas été effectif, ce qui freine l'élan pour leur engagement à la fonction publique. Mohamed Diawara, chargé à l'organisation du collectif des professionnels de l'éducation, dit n'avoir jamais cru aux promesses des autorités. Pendant très longtemps, ils continuent de nous donner les promesses, les jours qui n'ont jamais été respectés. Donc, tant que moi, je ne vois pas aujourd'hui que l'enrôlement biométrique a eu lieu, je ne pourrais pas être optimiste parce que rien n'a encore été respecté depuis le début. Je crois fermement que les choses avaient été discutées au Conseil des ministres. Et si ça c'était arrivé au Conseil des ministres, c'est que le président est imprégné de la situation des enseignants contractuels. Donc, il suffit simplement que les cadres du département soient mis vraiment en application pour qu'ils mettent en vigueur notre protocole d'accord. Et c'est ce que nous attendons d'eux. Pour sa part, Moussa Doré, président du collectif des professionnels de l'éducation, dit garder espoir, même avec la dissolution du gouvernement. Il compte d'ailleurs aller rencontrer les autorités du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation pour comprendre la suite de la situation des enseignants contractuels communaux. Nous allons nous déplacer peut-être demain pour aller vers le MEPUA pour savoir réellement qu'est-ce qui est en train de faire pour que très rapidement, les gens puissent commencer à être évalués en classe. Beaucoup. Beaucoup parce qu'avec le pré-enrôlement déjà, ça veut dire qu'il va commencer aujourd'hui à 0h. Ça veut dire qu'on a beaucoup d'espoir parce que si le pré-enrôlement est fait, on a déjà une liste de base qui est bien stabilisée et ça pourrait faciliter le reste du travail. Pour l'heure,
Aucune communication du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation pour indiquer à quand la nouvelle date du concours pour les enseignants contractuels communaux de Guinée. Merci beaucoup Fatoumata Kane pour ce reportage. Merci à vous. Je vous le disais justement en début de ce journal, notre invité est sur ce plateau avec nous pour décrypter toutes ces actualités. Monsieur Niatinia Mansari, bonsoir. Bonsoir Kane, bonsoir Cham, des jumelles bien entendu. Je voudrais au nom du Forum national des jeunes des partis politiques que je représente là, dire bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Vous l'avez dit, vous êtes le président du Forum national des jeunes des partis politiques. Première question, quelle est votre analyse face à cette situation? On s'attendait à cela. Nous avons été d'ailleurs l'une des structures qui avait interpellé le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, à travers une lettre ouverte que nous lui avons adressée le 17 de ce mois. Et dans cette lettre ouverte, nous lui avons fait état des lieux par rapport à l'évolution de la transition, l'accumulation des frustrations, la cherté de la vie et surtout la cacophonie qui s'était installée au sein du gouvernement. Et nous lui avons demandé en tant que première autorité de la conduite de cette transition de prendre vraiment ses responsabilités afin de remettre la pendule à l'heure. Et un des reporter de votre rédaction était avec nous dans la matinée du lundi pour justement échanger sur le contenu de notre lettre ouverte. Et dans l'après-midi, on a suivi ce coup de tonnerre qui avait complètement déçu tous les membres du gouvernement, ce qui était vraiment quelque chose de salutaire au vu de toute la pagaille qui était au sein de l'appareil gouvernemental. Et nous, de notre côté, au FONAGEP, dès le lendemain, nous nous sommes retrouvés pour tirer les leçons de ce qui s'était passé à la tête de l'État. Et à la suite de notre réunion, il a été convenu qu'on tienne une déclaration pour non seulement prendre acte de la dissolution du gouvernement, mais aussi de prendre acte sur les mesures conservatoires qui ont été prises pour permettre aux secrétaires généraux et aux directeurs adjoints de gérer les affaires courantes, mais aussi les mesures conservatoires qui amenaient en tout cas les anciens ministres à certaines restrictions, à certaines mesures. Et nous avons juste demandé dans notre déclaration à ce que ces mesures conservatoires s'appliquent conformément aux procédures et lois en la matière. D'accord, M. Mansari. Les enseignants contractuels s'attendaient au concours en pratique en classe 2 jours après la dissolution du gouvernement. Oui. Un concours qui n'a malheureusement pas eu lieu. Est-ce que dans ce cadre, on pourrait parler de continuité dans l'État? Ça, c'est quelque chose de déplorable. Comme il a été dit dans le communiqué numéro 1 relatif aux mesures conservatoires, il a été demandé à ce que les secrétaires généraux et les directeurs généraux, les directeurs adjoints prennent automatiquement la conduite des affaires courantes au sein des différents départements. Maintenant qu'un concours qui était déjà planifié et programmé n'ait pas eu lieu parce que simplement le gouvernement a été dissous, cela dénote vraiment un dysfonctionnement au sein de ce département, dans la mesure où si le ministre est indisponible ou qu'il n'est pas en fonction, automatiquement il y a un secrétaire général qui fait office d'intérim. Et même quand le secrétaire général également est absent, la logique voudrait que le chef de cabinet assure l'intérim pour continuer vraiment la continuité de l'action gouvernementale. Donc pour des raisons de dissolution, si un concours à dimension nationale est reporté, c'est quelque chose qu'il faut vraiment déplorer, je dirais même condamner. Et vous le savez déjà, la situation actuelle du pays est déplorable. Est-ce que dissoudre le gouvernement est vraiment la solution pour remédier à cela?
Oui, quand ça en est de trop, il faut aller à des décisions vraiment radicales. Vous êtes des dames de médias, vous savez la cacophonie qui était installée au sommet de l'État entre le premier ministre chef du gouvernement qui a la responsabilité de coordonner l'action gouvernementale et certains membres de son gouvernement qui se considéraient très puissants et qui outrepassaient même les procédures et l'hiérarchie au sein du gouvernement, ce qui est inadmissible. On apprend par source de médias les raisons pour lesquelles la dissolution est intervenue, puisque en premier lieu, le président de la transition envisageait un remaniement partiel pour un peu améliorer les actions du gouvernement. Quand il a appris par voie de médias les échanges de courriers entre le Premier ministre et le ministre en charge de la justice. Et vu que ces échanges ont été vraiment corsés, le Premier ministre a décidé, pour raison d'insubordination de la part de son ministre de la justice, il a décidé vraiment de lui suspendre des activités du gouvernement. Et cela est tout à fait normal, il en a la responsabilité et le pouvoir, parce que quel que soit un ministre, quel que soit son statut ou son secteur, il relève d'un gouvernement et ce gouvernement est coordonné par un premier ministre. Donc s'il y a une insubordination, il y a un manque de respect vis-à-vis de l'hiérarchie, il est normal de rappeler ce membre du gouvernement à l'ordre. Sauf que dans la conduite, il y a eu vice de procédure parce que le premier ministre aurait pris la décision de suspendre le ministre en charge de la justice, ce qui est de son pouvoir, mais de grâce, il devrait notifier cela à la présidence. Et le fait qu'il a pris cette décision sans se référer à la présidence, dès lors que l'information est arrivée à la personne concernée, c'est-à-dire le ministre en charge de la justice, lui aussi, à son tour, a fait appel au procureur qui relève de son pouvoir pour faire arrêter le Premier ministre pour raison d'entrave à la justice. Donc face à une telle cacophonie, une réunion d'urgence a été conviée du côté de la présidence et à la suite de cette réunion, décision a été prise de dissoudre tous les membres du gouvernement afin de revoir la suite, comment remettre les choses au bon endroit. Bien. Je vous le disais au sommaire, le mouvement syndical appelle à une grève générale et illimitée. Dina Boutiam. Après l'expiration du délai de 10 jours accordé aux autorités de la transition pour la satisfaction de sa plateforme revendicative, le mouvement syndical déclenchera à partir du 26 février prochain une grève générale et illimitée. Il a fait savoir dans une déclaration, lui, à la Bourse du Travail. L'avis de grève a même été déposé ce jeudi au ministère du Travail et de la Fonction publique. Suivez Elhadj Amadou Diallo, coordinateur du mouvement syndical guinéen, au micro d'Amara Bangoura. Considérant l'expiration du délai imparti, par conséquent, le mouvement syndical guinéen porte à l'attention de la communauté nationale et internationale du déclenchement d'une grève générale et illimitée à compter du lundi 26 février 2024 sur toute l'étendue du territoire national, dans tous les secteurs publics, privés, mixtes et informels. Il se réserve le droit de porter plainte auprès de toutes les institutions onusiennes et internationales du droit de l'homme et du droit syndical. Ceci étant, le mouvement syndical guinéen demande à toutes ses structures syndicales de base d'observer scrupuleusement le mot d'ordre de grève jusqu'à la résolution des différents points inscrits dans son préavis. Le mouvement syndical guinéen publiera régulièrement des infos pour rendre compte de l'évolution de la situation. Grève générale et illimitée, Monsieur Mansaré, l'annonce a été faite ce jeudi. Quel est le risque qu'on peut craindre? Le risque qu'on pourrait craindre à la suite de cette annonce de grève générale et illimitée, c'est un saut dans l'inconnu. Dans la mesure où on ne sait pas à quoi cela pourrait aboutir. Et nous, dans notre déclaration à la suite de la dissolution, nous avons
sollicité à ce que tous les acteurs majeurs de cette période de la transition fassent de la retenue et qu'on essaye vraiment de se retrouver pour échanger et donner la chance à la stabilité, à l'apaisement dans la conduite de cette transition. Mais il est encore regrettable que les autorités gouvernementales n'aient pas pris des mesures pour ne pas qu'on arrive à cet avis de grève, parce que avant l'avis de grève, il y a eu un préavis de grève qui était axé sur quelques points de revendication que nous trouvions légaux. Et ces points de revendication qui sont signifiés par le mouvement syndical ne sont pas de la mer à boire. En premier lieu, il recommande à ce que le secrétaire général du syndicat de la presse professionnelle, le camarade Sekou Jamal Pendessa, que je salue de passage, à qui j'exprime au nom du FONAGEP toute notre solidarité et également toute notre sympathie par rapport à ce qu'il traverse actuellement. Et au-delà de cela, je crois que ça aurait été mieux qu'il soit vraiment relâché, dans la mesure où il a été arrêté dans l'exercice de certaines prérogatives qui lui reviennent. Le deuxième point de revendication était en rapport avec la levée de la restriction sur les données, donc sur l'Internet, ce qui a été fait depuis, je crois, avant-hier. Et c'est pour dire encore une fois que dans la conduite des affaires au niveau de notre pays, il y en a qui font objet d'abus de pouvoir, puisqu'on a suivi ici le ministre en charge de la télécommunication et de l'économie numérique défendre bec et ongles dans les médias d'État que c'était pour des raisons de sécurité que les données de l'Internet ont été restreintes, ce qui aujourd'hui ne se justifie plus, puisque ces données ont été libérées sans pour autant que des explications fondées nous soient données. C'est pour dire donc que ça a été justement un abus d'autorité, parce que quelqu'un a le pouvoir quelque part de restreindre les données de l'Internet et il en a fait avec des arguments qui ne tiennent pas. Dieu seul sait ce que cela a causé à beaucoup de citoyens comme dommage, et c'est vraiment regrettable qu'on arrive à cela. Donc si cela était dans la plateforme revendicative du mouvement syndical, il était vraiment judicieux que cela également soit satisfait. Donc vu que déjà il y a une évolution dans ce domaine, nous ne pouvons que saluer cet état de fait. L'autre point de revendication, c'était par rapport à la cherté d'arrêt de première nécessité. Nous sommes dans le mois de carême pour nos frères chrétiens, et dans quelques semaines, nous allons également entrer dans le mois de Ramadan. Et on sait que là, les conditions de vie sont vraiment difficiles lorsque le panier de la ménagère est dans cette situation. Les autorités devraient vraiment prendre des dispositions pour pouvoir alléger les peines des citoyens, que d'aller s'asseoir avec le patronat, avec les opérateurs économiques, pour rehausser le prix des denrées de première nécessité. Nous espérons qu'une solution rapide sera trouvée à cela, et nous sommes solidaires avec le mouvement syndical par rapport à ces points de revendication. Fatoumata Khan, dans le reste de l'actualité, le sort de Sekou Jamal Pendessa est désormais connu. Le journaliste syndicaliste est condamné à 6 mois de prison avec 3 mois assortis de sursis au paiement d'une amende de 500 000 francs guinéens au tribunal de première instance de Dixine ce vendredi. Ses avocats, qui contestent le verdict du juge, comptent interjeter appel. Le SPPG parle même de parodie de justice. Amara Bangoura. C'est un délibéré qui surprend la corporation des journalistes, chez qui la libération de Sekou Jamal Pendessa a été attendue. Le journaliste syndicaliste est condamné expressément pour provocation d'un attroupement public portant atteinte à l'honneur et à la dignité des personnes par le biais d'un système informatique. Pour la défense qui entend relever appel, ces infractions n'ont jamais fait l'objet de poursuites.
C'est d'autres infractions que le tribunal est parti chercher dans le code pour venir servir de base à une condamnation qui n'existe pas. Toutes ces infractions-là sont fausses et n'ont rien de juridique. La suite, nous allons systématiquement faire appel. On l'a déjà déclaré, on l'a énoncé dans la salle. Le secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée retournera encore à la maison centrale de Corentine pour 2 mois. La structure syndicale qui s'est dit abandonnée par les patrons de presse en pleine lutte parle d'une journée noire contre les acquis démocratiques et d'une déclaration de guerre à la presse. On vient de prouver encore une fois la justice guinéenne qu'on veut fermer la bouche à tout le monde, qu'on veut fermer la bouche, bien entendu, à ceux qui n'ont rien à voir avec, bien entendu, la gestion du pays, mais qui défendent juste la liberté. On veut fermer la bouche à ceux qui ont le courage de se lever pour rappeler aux décideurs, pour les interpeller sur la nécessité, au moins, de sauvegarder l'essentiel. La condamnation de Sékou Djamal Pendessa intervient pendant que le mouvement syndical qui exige sa libération a déjà annoncé une grève générale et illimitée à partir du 26 février prochain. Ce samedi, la structure syndicale dont il est le secrétaire général appelle à une assemblée générale pour, dit-on, entreprendre de nouvelles actions. Monsieur Mansaré, condamnation de Sékou Djamal Pendessa, que pensez-vous de ce verdict? Est-ce que ce syndicaliste mérite à ce qu'il arrive? Je regrette vraiment que les choses se soient passées ainsi. Pour moi, il a été interpellé dans l'exercice de ses fonctions en tant que syndicat, secrétaire général du syndicat de la presse professionnelle de Guinée. Et en la matière, il était sur une démarche de revendication qui était vraiment objective. Et la logique voudrait aujourd'hui, si le droit vraiment était dit, qu'il soit purement et simplement relâché. Et donc je profite de cette occasion pour exprimer encore une fois toute notre solidarité, la solidarité du Forum national des jeunes des partis politiques par rapport à ce que le camarade Sékou Djamal Pendessa est en train de traverser aujourd'hui. Et on peut dire que ça, c'est un recul véritable par rapport à la liberté d'expression, à la liberté de la presse, mais aussi à la liberté d'opinion. Et je demande aux autorités en charge des affaires courantes de veiller à ce que cette situation soit évacuée, parce qu'il faut éviter vraiment d'éteindre les voies plurielles. Il faut éviter que le pays ne se retrouve dans le silence. Et il y a eu des personnes qui ont payé de leur vie, qui ont payé les frais de cette liberté d'expression, de cette liberté de presse. Quoi qu'il en soit, il est fondamental que ces acquis-là soient vraiment préservés. Encore une fois, toute notre solidarité et tout notre soutien au camarade Sékou Djamal Pendessa. Et on peut dire que c'est une décision qui vous conforte dans l'avis de grève lancé par les autorités. Absolument. Par le mouvement syndical, pardon. Par le mouvement syndical, effectivement, nous condamnons en tout cas cette décision de justice et nous demandons à ces avocats d'aller jusqu'au bout, d'interpeller, de faire appel à cette décision pour que le camarade Sékou Djamal soit rétabli dans ses droits. Et puis, après 3 mois sans Internet, les autorités guinéennes ont finalement décidé de lever les restrictions liées à Internet. Fatouma Takane. Une bonne nouvelle pour les associations de la société civile guinéenne qui n'ont cessé de militer pour la libération de l'Internet dans le pays. Rencontré par notre rédaction, Alpha Bayo, coordinateur national de la Maison des associations et ONG de Guinée, s'est exprimé sur le sujet. Suivez-le dans ce reportage de Mariama Boybari. 3 mois depuis que les Guinéens font face à la restriction de l'Internet. 90 jours durant lesquels il a fallu l'apport des VPN pour se connecter. La levée des restrictions à l'Internet représente donc un soulagement pour de nombreuses personnes et associations de la société civile.
Alpha Bayo, coordinateur national de la Maison des associations et ONG de Guinée, souligne que c'est l'ancienne équipe gouvernementale qui est le principal responsable de cette situation. Oui, c'est une bonne nouvelle, même si c'est un droit qui a été violé. Pour nous, c'est un début de décrispation, bien entendu, puisque le gouvernement Gomu a été dissous et nous a plongé dans une panoplie de crises. Et c'est le gouvernement Gomu, le gouvernement qui vient d'être dissous, qui nous a plongé dans ça. Pourquoi avoir bloqué l'Internet depuis le 24 novembre 2023? Alpha Bayo invite les autorités à rassurer la population. Puisque les gens n'arrivent toujours pas à croire, on pense que c'est du tape à l'œil, après peut-être 48 heures, on va bloquer. Mais que le gouvernement rassure, en tout cas, le peuple de Guinée pour le rétablissement de l'Internet. Et en même temps, le gouvernement évoque les raisons de cette restriction. Mais pour le coordinateur national de la Maison des associations et ONG de Guinée, qui milite depuis des mois pour la levée des restrictions liées à l'Internet et aux médias, le combat est loin d'être terminé. Pour nous, c'est un début de décrispation, même si ce n'est pas suffisant, parce qu'en réalité, il faut libérer le camarade Pendessa, il faut en tout cas réintégrer les médias qui ont été retirés dans les bouquets Canal+, libérer les médias. En tout cas, ça va contribuer beaucoup à apaiser les tensions. Pour le moment, aucune information n'a été donnée par les autorités concernant cette levée. Est-ce temporaire? Rien n'est moins sûr. Monsieur Mansaré, 3 mois après, l'Internet a enfin libre. Est-ce que les Guinéens peuvent se réjouir? Et bien évidemment, tout un chacun peut aujourd'hui se réjouir. Et dans la mesure où la connexion Internet est devenue quelque chose de vital aujourd'hui dans le monde, à l'ère du numérique, il est difficile, je ne dis pas qu'on ne peut pas vivre sans Internet, mais il est très difficile de vivre sans la connectivité, sans Internet. Et à la fois pour les professionnels, à la fois pour ceux qui sont dans des activités formelles, mais aussi ceux qui sont dans l'informel. Je vous donne un exemple. Vous allez par exemple dans un garage où vous voulez faire un dépannage, vous avez un engin, un véhicule, une moto qui est en panne et qu'il se trouve que votre mécanicien, par exemple, veut trouver une pièce en occasion, il appelle automatiquement quelque part à la casse ou en tout cas chez un vendeur de pièces. Aussitôt, au lieu de quitter le garage pour aller farfouiller un peu dans les magasins pour trouver la pièce, il peut automatiquement prendre la photo de la pièce par voie du numérique, soit à travers WhatsApp ou Messenger, envoyer l'image là à ses boutiquiers ou à ses vendeurs de pièces détachées. Aussitôt, dès que la pièce est retrouvée, un autre motard peut livrer ça. Et cela dénote donc que c'est quelque chose qui est vital, sans oublier tous ceux qui ont comme profession le digital, ceux qui font le e-commerce. Dieu seul sait ce que cela a causé comme dommage. Il est vraiment regrettable que les autorités, souvent pour certaines raisons, procèdent au mensonge d'État, je dirais ainsi, parce que par rapport à la restriction de l'Internet, il nous a été servi l'argument de la sécurité nationale. Et lorsque la sécurité nationale est atteinte, qu'il soit, lorsque vous contournez pour toujours rester dans cette atteinte de la sécurité nationale, vous méritez d'être poursuivi. Donc autant on a restreint la connexion Internet en disant que c'est pour des mesures de sécurité nationale, les gens contournaient pour passer à travers les VPN et rester toujours connectés. Donc dans ce cas de figure, toute personne qui contournait la restriction de l'Internet pour être sur l'Internet, si cela était une raison de sécurité nationale, ces personnes devraient être
poursuivi. Et si cela n'a pas été, c'est que c'était un faux argument. Et aujourd'hui, sans raison, sans aucune explication, sans aucune justification, depuis que le gouvernement a été dissous, la connexion a été libérée, ce qui dénote que c'était vraiment un abus d'autorité, c'était un abus de pouvoir que de restreindre l'Internet pour causer préjudice à certains citoyens. Et je pense que ce préjudice mérite d'être réparé. Toutes les personnes qui ont été en tout cas affectées, qui ont subi des dommages à la suite de cette restriction doivent s'organiser et dénoncer cet état de fait, pourquoi pas prendre même des actions judiciaires contre les autorités qui ont de façon unilatérale et de façon unilatérale pris cette décision de restriction de l'Internet. Est-ce qu'on doit craindre d'autres restrictions les jours à venir? D'autres restrictions dans le domaine de l'Internet ou bien dans d'autres? Je pense que, certes, aujourd'hui, on est dans une période de transition. Il faut éviter tout ce qui peut entraîner la frustration collective, et parce que cela pourrait vraiment nous conduire dans un état ou dans une situation dont personne n'a la maîtrise. Bien. Et puis, le 21 février dernier marquait la journée internationale de la langue maternelle. Dina Boutian. Proclamée pour la première fois par l'UNESCO, puis adoptée lors de l'Assemblée générale des Nations unies, elle souligne le rôle des langues dans la promotion de l'inclusion et la réalisation des objectifs de développement durable. Le thème pour cette année est l'éducation multilingue est un pilier de l'apprentissage intergénérationnel. Cette journée est choisie pour offrir un apprentissage efficace aux enfants. Mamesata Tavel Kamara. La langue maternelle, un outil de développement selon les promoteurs de la langue nationale. Aujourd'hui, 40% de la population mondiale n'a pas accès à l'éducation dans sa langue maternelle, un chiffre qui dépasse les 90% dans certaines régions selon l'UNESCO. Introduire la langue maternelle dans l'enseignement favorise de meilleurs résultats d'apprentissage pour les enfants, selon cette dame. Le constat révèle que dans plusieurs foyers en Guinée, les langues étrangères sont beaucoup plus parlées aux enfants que celles maternelles. Le directeur national chargé de la promotion des langues nationales pense que c'est un problème pour les apprenants. Selon les études, un enfant vraiment qui apprend dans sa langue maternelle évolue mieux qu'un enfant qui apprend dans une autre langue à l'école. Les langues maternelles, dans les foyers, c'est vrai, ça a tendance vraiment à disparaître parce que là, toutes les familles maintenant veulent parler à leurs enfants parce que, bon, ils disent qu'à l'école, c'est cette langue qui est utilisée, c'est cette langue qui est parlée. Donc, nous préférons que les enfants parlent, commencent à parler cette langue à la maison avant qu'ils ne partent à l'école. Bon, ça pose beaucoup de difficultés au niveau des apprenants, des jeunes. Les langues étrangères servent de vecteur aux connaissances traditionnelles et à l'héritage culturel. Cependant, la diversité linguistique est de plus en plus menacée au point que des langues de naissance disparaissent. Un projet appelé Élan est en phase d'expérimentation pour permettre aux enfants de maîtriser les langues maternelles. Connaissez-vous votre langue maternelle, Monsieur Mansaré? Bien sûr. Je rappelle que par principe, chez nous, en famille, on ne parle que dans nos langues maternelles. Peut-être avec les voisins ou en dehors de la famille, on a la possibilité d'échanger avec d'autres personnes dans d'autres langues. Mais en famille, dans le foyer, aucun membre de la famille ne peut prétendre ou essayer de parler dans une autre langue sinon que notre langue maternelle.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour valoriser cette langue? Pour valoriser nos langues nationales, je crois que l'État doit essayer de faire le premier pas. Parce que dans les familles, déjà, il y a un effort, bien qu'avec l'influence aujourd'hui des nouvelles technologies, on a tendance vraiment à être dominé par les langues étrangères. Et c'est l'occasion pour l'État d'investir vraiment dans le domaine de la promotion de nos langues nationales aujourd'hui. Spécialistes en langue nationale, il y a des linguistes, et il suffit simplement de créer un cadre, un environnement conviable pour leur permettre vraiment de travailler dans ce sens pour promouvoir nos langues nationales. Aujourd'hui, quand vous prenez tous les pays qui ont vécu la même histoire que nous, c'est-à-dire la colonisation, parce qu'aujourd'hui, l'argument qu'on nous sert souvent, on dit, bon, puisque vous avez été colonisé par la France, vous devrez donc être francophone. Ceux qui ont été colonisés par l'Angleterre sont des anglophones. Or, à travers le monde, vous avez beaucoup d'autres pays qui ont aussi subi la colonisation. Je fais allusion à la Chine qui a été colonisée, je fais allusion par exemple à l'Inde qui a également été colonisée, mais l'Inde aujourd'hui a réussi à promouvoir une langue nationale, la Chine aussi a réussi à promouvoir une langue nationale et comme ça cette langue permet en tout cas les langues nationales, les langues endogènes permettent d'atteindre beaucoup plus de créativité dans la société, à la fois dans la famille, tout comme dans les institutions d'enseignement. Parce que lorsque votre langue maternelle est différente de votre langue d'apprentissage, il vous sera un peu difficile de vous retrouver. Donc moi j'interpelle les autorités en charge de l'éducation, à la fois professionnelle, pré-universitaire et supérieure, de prendre des mesures pour investir davantage dans la promotion de nos langues nationales. Par ce biais, je pense qu'on pourrait vraiment aller de l'avant. Je rappelle que la langue maternelle peut être définie comme la première langue parlée par une personne ou encore elle peut être appelée une langue natale. Monsieur Monsari, est-ce que la langue maternelle peut contribuer à l'émancipation d'une personne? Absolument. La langue maternelle, c'est d'ailleurs le principal facteur d'émancipation d'une personne. Puisque dès la naissance, c'est cette langue qu'on entend souvent, c'est cette langue qui nous est parlée. Et on découvre les langues étrangères quand on rentre en contact avec le monde extérieur ou en allant certainement dans les institutions d'enseignement. Donc lorsqu'on est amené à maîtriser parfaitement les langues maternelles, et cela nous émancipe davantage que d'avoir une langue maternelle d'un côté et de l'autre côté d'avoir une autre langue étrangère et être tiraillé entre ces deux langues. On risque souvent d'être perturbé au risque de ne pas parfaitement maîtriser la langue nationale d'un côté et non plus totalement maîtriser la langue étrangère de l'autre côté. Voilà pourquoi, je le dis encore une fois, il est temps à ce que nous investissions dans la promotion de nos langues maternelles pour pouvoir développer l'esprit de création, de créativité au niveau de notre société. Bien, place à présent au reportage de la semaine. Diana Poutien. Dans la préfecture de Boké, à Dakonta, les habitants vivent dans des conditions précaires. En plus des routes impraticables, cette localité manque d'eau potable et d'électricité. La seule école qu'elle dispose est également laissée à l'abandon faute d'instituteurs. Vivre à Dakonta, c'est comme manquer de tout. Fatouma Takan. Dakota est une localité située dans la préfecture de Boké laissée à l'abandon par les autorités guinéennes. En plus du manque d'infrastructures sanitaires, ses habitants sont confrontés à de nombreuses autres difficultés. On n'a pas de route, ni de courant. On souffre. Nos téléphones ne se chargent pas. Pour les brancher, il faut aller dans d'autres villages. On n'a pas d'hôpital. Quand nos enfants tombent malades, on prend une moto qu'on carbure nous-mêmes pour l'amener à l'hôpital. On souffre vraiment. Se rendre dans ce village attend véritable calvaire, surtout en saison pluvieuse. Abdurrahman Kalaban vient de temps à autre ici. Pour lui, ce village n'a connu aucun changement depuis 1997.
Mbaraboudé. Mbara Safarabé depuis 97. Mbaraboudé. Depuis 1997, je viens dans ce village. Mais les choses vont mal et le village n'avance pas, il n'y a pas de route, rien. Quand la saison pluvieuse te trouve ici, tu ne peux aller nulle part, vu que les routes sont creusées et on tombe tout le temps malade. Construite depuis le régime Comté, la seule école de cette localité est aujourd'hui abandonnée. Le président de l'APAE nous explique les raisons. Avant, les enfants de trois villages étudiaient dans cette école, mais ces derniers se sont retirés. Les enfants qui étaient là aussi, certains sont partis à Boké et d'autres à Conakry. L'enseignant aussi est parti pendant un an avant de revenir. Mais comme il n'y a plus beaucoup d'enfants, il est parti, laissant l'école abandonnée. Afin d'améliorer leurs conditions de vie, les habitants de ce village demandent de l'aide aux autorités. Monsieur Massaré, vous avez vu Dakonta et je vous dis qu'il y a plusieurs Dakonta en Guinée, des localités abandonnées par les autorités. Est-ce qu'il est normal en fait qu'une localité soit aussi en manque de routes, d'eau potable et d'infrastructures scolaires? Alors, Cham, j'avoue que c'est avec une pointe au cœur que j'aborde ce sujet. Parce que quand on parle du manque des infrastructures sociales de base dans nos localités, j'en sais quelque chose. Je dis cela parce que j'ai eu l'occasion d'aller dans les campagnes de sensibilisation, dans les campagnes de développement communautaire à la base, et j'ai vécu des réalités comme celle de Dakonta. J'ai vécu des réalités des fois pires que celle de Dakonta, et c'est pourquoi j'aborde ce sujet avec peine et je dirais que c'est même criminel, je pèse mes mots, c'est criminel de laisser certains de ses concitoyens vivre dans une telle situation. Comme vous l'avez dit, on a vu déjà à travers les images une localité qui manque de tout. Qui manque de tout, pas d'eau potable, pas d'énergie, pas d'électricité, pas d'éclairage, pas d'habitation, pas pratiquement aucune infrastructure sociale de base. Et ça, c'est vraiment regrettable. Je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue dans une autre localité qui pourrait s'apparenter à celle de Dakonta. Ça, c'est dans Koubia, une zone qu'on appelle Gadawundu, qui est quasiment à 62 km ou 64 km de Koubia. Nous sortons à 6 heures du matin pour aller mener une session de sensibilisation de 1 heure ou 2 heures du temps seulement. Nous quittons à 6 heures du matin pour 62 km. Nous revenions à Koubia centre à 2 heures du matin. Vous imaginez ça, c'est pour expliquer un peu l'état de la route. Et quelque part, un des citoyens nous a raconté là-bas qu'en 2014, quand le gouverneur de l'Abe a décidé de sillonner toutes les localités de Koubia, arrivé à Gadawundu avec sa délégation, les populations de Gadawundu ont commencé à applaudir. Vive PUP, vive le général Lansana Conté. Nous sommes en 2014. C'est pour dire que ces citoyens-là, en 2014, ils ne savaient même pas que Lansana Conté était décédé, que Dadis était passé, que Konaté était passé, que Alpha Condé est à 4 ans d'exercice de pouvoir. C'est pour dire combien de fois ils étaient coupés des réalités de la Guinée parce qu'abandonnés à eux-mêmes. Donc voir vraiment Dakonta dans une telle situation, c'est quelque chose qui est foncièrement regrettable. Et c'est l'occasion encore une fois d'interpeller les autorités à prendre des dispositions afin de bâtir là les infrastructures sociales de base. Ce rôle revient essentiellement aux collectivités locales. On se demande ce que font les gouverneurs, les maires des communes urbaines et les maires des communes rurales. Parce que quelque part, il faut aussi notifier qu'il y a certaines compétences et certaines missions qui sont au niveau des collectivités locales, que le code des collectivités locales a pris en décharge des autorités gouvernementales pour ramener ça à la base, pour que les citoyens
eux-mêmes puissent vraiment gérer cet aspect à travers, bien entendu, l'autorité et la responsabilité des élus locaux qui sont les membres des communes rurales et ceux des communes urbaines, qu'ils prennent vraiment des dispositions à travers le contenu local, les fonds qui sont mobilisés là, que ces fonds-là soient orientés dans la réalisation des infrastructures sociales de base qui permettraient vraiment à ces citoyens à la base de vivre le minimum vital. Parlons à présent du tissage, un métier artisanal pratiqué en Afrique depuis des années. Il consiste à tisser des étoffes de coton pour en faire un habit. Cette semaine, nous sommes allés à la rencontre d'un maître tisserand dans la préfecture de l'Abbé, Mamadou Pété Diallo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a consacré toute sa vie à ce métier. Il partage aujourd'hui son savoir-faire à la nouvelle génération. Lansana Fofana, reportage. Le tissage, voici le domaine dans lequel maître Mamadou Pété Diallo se sent bien. Passionné, le maître tisserand a appris ce métier depuis 1979. Après 3 ans d'apprentissage, il a mis sur place son propre atelier. Aujourd'hui, maître Pété forme les jeunes au centre d'autopromotion des femmes de l'Abbé. C'est là-bas que nous retrouvons en pleine situation de classe. Liste numéro 4. File numéro 1. Liste numéro 3. File numéro 2. Après la théorie en classe, maître Pété passe à la pratique dans l'atelier. Ici, le rôle de chaque combinaison de fils de coton est interprété à la lettre. Quand on dit nombre de fils, on devient remise. Ça, c'est une remise. Un, deux, trois, il y avait 24 remises dans l'ensoupe. Un mètre 30 dans la serre. Mais c'est toi, tu vas travailler. Dans cet atelier, la première image qui retient notre attention est l'absence totale d'outils industriels. Ici, tout est manuel. C'est avec cet outil que maître Mamadou Pété transforme les fils de coton à sa guise. Du haut de ses 60 ans, maître Pété se décarcasse avec les moyens du bord. C'est avec mes propres outils que j'enseigne ici. J'ai signé un contrat avec GDZ. Depuis 2003, mais ça c'est déjà fini. Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent venir apprendre, mais je n'ai pas de moyens et je n'ai pas de soutien aussi. Le maître tisserand a formé plusieurs générations. Malgré les difficultés du métier, il parvient toujours à transmettre son savoir-faire. Amadou est l'un des tout premiers apprentis de maître Mamadou Pété. Aujourd'hui, il vient l'assister au CAF de l'Abbé. Une manière d'assurer la relève du métier. Aujourd'hui, j'ai maîtrisé le métier. Je viens l'aider dans la formation d'autres personnes. Mais ça se passe bien grâce à mon maître Pété. Il nous soutient sur tous les. Monsieur Mansaré, Mamadou Pété Diallo, vous l'avez vu, il apprend comment tisser. Il passe en classe. Est-ce que ce ne serait pas mieux qu'on mette en place une école afin de valoriser le contenu local? Absolument, absolument. Vous voyez, déjà, ça, c'est une façon de conserver et de pérenniser cette activité. Okay. Certes, c'est une activité ancestrale qui existe depuis des siècles maintenant en Afrique et voir vraiment un maître artisan ou tisserand de cette taille qui a la possibilité même de codifier ce qu'il fait comme activité à l'informel pour transmettre cette connaissance-là aux nouvelles générations. C'est une façon de pérenniser le métier, l'activité, et ce sont ces genres de maîtres vraiment qui méritent d'être soutenus, qui méritent d'être accompagnés. Je dirais même que ça, c'est la base, c'est la cellule de base d'une industrie. Parce qu'à partir de là, s'il réussit vraiment à dispenser ça en classe, c'est qu'on peut codifier ça. Et si les moyens sont mis à disposition, on peut l'élargir à une autre dimension. Il suffit simplement de schématiser tel qu'il le fait pour produire des documents dessus. Et tout ce qui est en bois, là, on peut les reproduire en métal à travers
on peut moderniser et trouver des équipements beaucoup plus technologiques, beaucoup plus modernes. Aujourd'hui, il y a des ateliers un peu partout en Chine, parce que c'est là aussi que doit intervenir ce qu'on appelle le transfert de la technologie. Nous avons des connaissances internes, nous avons des capacités endogènes. Il suffit de formaliser ça à travers des schémas, et on a des ingénieurs en informatique ici, des ingénieurs en architecture qui peuvent essayer de modéler ce qu'il est en train de faire comme ça, et avec l'appui de l'État, on pourrait vraiment essayer de moderniser davantage, de soutenir vraiment cette activité pour en faire la cellule de base d'une industrie. Donc c'est l'occasion pour moi encore une fois d'interpeller la responsabilité du ministère de la Culture et de l'Artisanat, et de penser vraiment à identifier ces genres de citoyens qui s'investissent dans la promotion des valeurs et des créations au niveau national. C'est vraiment quelque chose à apprécier. D'accord. Merci Monsieur Mansaré d'avoir répondu à mes questions. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Merci. Merci infiniment. Oui. Merci Diana Boutiam. Merci à tous. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.